when we fill it up, say hello to Monoskin. Everyone is here. Sorry, I want to be among the first to congratulate you. Did you hear about this yesterday? They got nominated for Monoskin. Yeah. Congratulations on that. Shut up. Favorite trending song. Pied ma fiotte. Si je te disais que là, on est dans le trou du cul du monde, il n'y a rien, il n'y a aucun poids d'eau. Aujourd'hui, je vais te montrer comment nettoyer sa voiture n'importe où. Quand je te dis n'importe où, c'est n'importe où. Dans un champ, dans la forêt, où tu veux. Alors évidemment, j'ai choisi cet endroit, pourquoi? Parce qu'il y a des cailloux. Parce que si j'avais fait dans une forêt, tous les bobos écolos m'auraient dit « Padre, tu respectes pas l'environnement, à moins qu'il y ait des caillouteux. » Bon, c'est parti mon fio, je vais te montrer. J'ai la gouttonnée et tout, il fait moins 500 000 là, tu vois, il y a le vent. En plus, on est sur un plateau venteux parce que il y a des éoliennes, t'as compris. Évidemment, pour laver sa voiture n'importe où, il y a des conditions, il te faut un peu de matériel. Donc là, t'as pas le choix. La technique des deux seaux, elle est obligatoire mon fio. Pourquoi? Parce qu'il y en a un où tu vas mettre le shampoing et l'autre où tu vas mettre la flotte pour le rincer. Mais il y en a qui utilisent un seul seau. Ou alors tu peux prendre un seau pour la voiture et un seau pour les jambes, etc. Et évidemment, il te faut de l'eau. Plusieurs solutions. Soit tu remplis déjà ton seau à la maison, tu prends un couvercle et tu refermes ton seau et tu prépares déjà ton mélange. Ou alors soit tu fais comme moi, tu prends une jerrycan d'eau et moi je le prends parce que si jamais il te manque un peu de flotte, on sait jamais, au moins tu as toujours une réserve d'eau. Mais après tu fais comme tu veux, ok? Non, alors on va prendre deux seaux. Un avec de l'eau claire, l'autre avec le shampoing. Il va te falloir évidemment des gants. Donc soit un gant pour la carrosserie et un deuxième pour les jantes, d'accord? Ou alors un gant pour le haut et le bas, d'accord? Un pour le haut, un pour le bas. Enfin, moi, je fais la technique des côtés. Un côté et l'autre côté, ok? Et là, tu peux prendre aussi, hop ça, et là, tu prends aussi une brosse pour les jantes. Ok, mon pio? Voilà. Il te faut de la microfibre, donc deux, hein, une assez épaisse ou alors assez longue pour bien sécher, et ensuite, une deuxième pour finaliser, une gaufrée, ok? Ensuite, il va te falloir ce produit, et on y viendra juste après, ça, c'est un shampoing sans eau, et ensuite un petit vaporisateur. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là évidemment on n'a pas de poids d'eau, on fait ça sans rinçage, c'est le but de ce shampoing. Il n'y a pas de rinçage sur ce shampoing, et puis comme ça on est bon mon fio. Ok, let's go. Donc le shampoing en question, c'est celui-ci, c'est le nom comment ça s'appelle, No Rains. Bon l'anglais de merde, j'ai vraiment un anglais de merde. Comment que ça s'appelle cette merde? No Rains Wash and Shine. No Rains Wash and Shine. Alors le shampoing en question, c'est le No Rains Wash and Shine. Donc c'est un shampoing sans rinçage, tu le mélanges avec de l'eau, pas besoin de rincer, hein, c'est le but, et il est extrêmement lubrifiant, ok. Ensuite, si tu veux, tu peux mettre aussi un agent moussant pour apporter de la mousse. Par contre, il y a une petite bémol, parce qu'avec un agent moussant, lui, il n'a pas besoin de rinçage, mais l'agent moussant, il en a besoin. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir que tu suis tout de suite, tu vois. Donc d'abord, on va tester sans l'agent moussant, et après, on fera peut-être un test avec l'agent moussant. Et puis, le vaporisateur pour aussi mélanger du produit. Pourquoi? Parce qu'on va faire un pré-lavage avec le vaporisateur. Donc, on va faire le tour de la voiture, je vais te montrer. Elle est un peu sale, il y a du sel, il y a du sel, etc. Ok, c'est parti. Bon, on fait un peu le tour du véhicule, comme tu peux voir. Il est blindé de sel, puisque bon, bah, c'était l'hiver, et c'est les voitures qui sont au parc. Et donc, du coup, je dis à David, surtout ne lave pas cette voiture, je vais m'en servir, tu vois. Donc voilà, on est blindé de sel. Les jantes, on a pas mal de poussière. Là, tu vois ici, tu vois, on est sale. Bon, il n'y a pas de boue, mais elle est sale. Bon, donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre le shampoing No Rice Wash and Shine. Putain, ils peuvent pas faire un truc en français, là. Je vais prendre mon petit doseur. Donc pour ce faire, alors moi, j'aime bien rajouter du produit, tu vois ce que je veux dire. Donc généralement, tu peux mettre un bouchon et demi. Donc là, on est sur du 30 millilitres. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en mettre 3 ou 4 parce que je vais être bien sécure en sachant que c'est un produit qui ne mousse pas. Ok, donc il faut pas que tu attendes à de la mousse. Mais c'est pas parce qu'il mousse pas qu'il lave pas, et surtout qu'il lubrifie. Il va pas lubrifier parce que lui, il a un bon pouvoir lubrifiant. Donc moi, pour être plus sécure, quand même, je vais en mettre 4, tu vois. Mais t'es pas obligé de faire ce que je fais, hein. Tu peux en mettre 1,5, 2, enfin 3, t'es bien, tu vois. Voilà, 3, t'es bien. Allez, moi j'en mets 4, comme ça je suis plus sécure. Ensuite, je vais mettre ma flotte. Donc ça c'est bien parce que si tu manques de la flotte ou quoi, au moins, parce que là, il n'y a pas de poids d'eau ici, tu vois. Là, t'es dans le trou du cul du monde, hein, tu vois. Alors déjà, vous allez faire un maximum de pouces parce que David, là, il est tellement gelé, l'autre il a le gnocchi, on dirait un Mr. Freeze, le bordel. Allez, on y va. On va jeter un peu d'eau. Bon, là, j'ai mis 10 litres. Je prends
mon éponge et je la fous dedans. Mais avant ça, ce que je vais faire, bon là, évidemment, je vais remplir un peu le trousseau pour avoir de l'eau claire, pour le rincer. C'est pas une obligation, hein, t'es pas obligé de le faire. On voit bien, t'es sûr qu'on voit bien? T'es pas obligé de le faire, mais bon, pour être plus sécure, parce que là, il y a quand même du sable, du sel, tu vois, donc du coup, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais remplir un peu ce seau, on va dire environ la moitié. Mais avant ça, je vais mettre du shampoing directement dans le vaporisateur et je vais vaporiser sur le véhicule. Comme ça, ça va toute la crasse, ça va déjà la ramollir. Et comme ça, lorsque je vais rentrer directement en contact avec le gant, eh bien, du coup, il y aura moins de risques pour les micro-rayures. Ok? J'ai du mal à parler. David, je suis gelé là. Ah oui, je suis gelé. Donc là, évidemment, j'ai déjà mis ma flotte dedans. Et là, je vais mettre un bouchon et demi. Alors évidemment, je précise que si, par exemple, tu as été dans un champ et tu as de la boue au taquet sur les passages de roues, c'est mort. Je te le dis direct, voilà, il n'y a pas de pression de flotte. Mais pour un véhicule qui est sale comme ça, là, c'est bien. Tu peux y aller sans aucun problème. Voilà, donc là, j'en ai mis un et demi. Ça suffira largement. Tu secoues la girafe. Et maintenant, moi, je vais faire côté par côté. Ok? Donc, je vais commencer directement par le haut. Et puis voilà. Donc là, dans un premier temps, je prends mon vaporisateur pour bien humidifier la crasse. Ça va ramollir les contaminants, tu vois. Comme ça, lorsque tu vas passer avec ta micro, ton éponge, tu risques moins de rayer. Et en même temps, comme il y a du shampoing à l'intérieur, ça va en même temps nettoyer. Alors moi, je vais faire côté par côté d'abord. Bon, évidemment, là, on est en plein soleil, mais bon, c'est encore l'hiver, donc du coup, le soleil t'as pas trop fort. Donc du coup, le temps que ça sèche, tu peux y aller. Hein. Ça change sécher comme ça, hein. Bon, ensuite, et là, je fais ça pour la France, mon fiou. Hein. Rien que déjà pour ça, tu mets des pouces, hein. Parce que là, j'ai les doigts, laisse tomber. Hein. Donc là, c'est parti, c'est la mission. Je vais mettre les doigts, ben, les mains dans l'eau, quoi. J'espère qu'on entendra avec le vent, parce que bon, je vais te montrer à quoi ressemble le produit. Donc là, tu vois, il mousse pas du tout, va très très peu quoi, tu vois. Tu vois, ça mousse très peu, tu vois. Donc évidemment, je peux mettre un agent moussant, mais le problème c'est que l'agent moussant, après, bah, il faut l'essuyer tout de suite parce que sinon tu risques d'avoir des traces. Bon, déjà on va le tester comme ça. Ok mon fio. Donc c'est parti. Donc tu prends ton gant, on y va. Et ça, tu vois, je te l'ai dit, hein, ça mousse pas du tout, mais par contre, il lubrifie super bien. Il lubrifie super super bien. Voilà. Donc là, on va faire comme ça, et après, évidemment, on va le rincer. Alors c'est sûr qu'au départ tu dis c'est pas serein parce que tu dis merde, ça risque de micro-rayer quoi. Mais concrètement, si tu fais déjà ton prélavage avec le vaporisateur, honnêtement, t'es déjà sécure. Ok mon fio. Mais c'est vrai que ça mousse pas quoi. Tu le mets dans l'eau. Ok, voilà, tu le mets dans l'eau, tu vas à côté et tu le rinces. Et là, tu as tous les caillouteux qui vont dire « Pandry, tu respectes pas les cailloux !» Enfin, quoi que tu fasses, de toute façon, t'es baisé. Voilà, et maintenant, on replonge dedans. Voilà, technique des deux sauts, hein, voilà. Et puis, on continue la voiture. En sachant que t'en as qui prend juste un seul saut et puis ils ne le rincent pas, ils font juste ça comme ça. Par contre, moi, je laisse, tu vois, quand je le trempe, je le rince pas, je le laisse bien humide, tu vois, pour éviter justement bah, que ça fasse des dégâts. Voilà, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, ça mousse pas, quoi. T'as vraiment l'impression de laver dans la flotte, en fait, tu vois. Ça fait vraiment bizarre. Là, je vais l'essuyer. Donc évidemment là pour l'instant je fais la moitié, comme ça on fera 50-50, partie lavée, partie qui n'a pas été lavée. Et c'est vrai que ça laisse pas de traces. Honnêtement, ça laisse pas de traces. Donc au départ, c'est vrai que en plus tu es en plein soleil, tu verras des marques, hein, je dis pas le contraire, mais une fois que tu l'essuies, tu n'as plus rien. C'est fini, puis en plus ça apporte une petite brillance. Voilà. Bah, après c'est vrai que c'est pas du tout comme un lavage traditionnel, mais ça fait le taf. Honnêtement, ça ben, voilà, ça nettoie. Franchement, ça nettoie. Donc comme tu peux voir, ça apporte déjà une petite brillance. Alors encore une fois, je me répète, tu auras les petites traces, mais dès que tu passes la microfibre dessus, la microfibre de séchage, tu n'as plus rien. Honnêtement, t'as plus rien. Voilà, et puis en plus, ouais, c'est vrai, t'as une bonne brillance, hein, franchement. Ouais. Voilà. Bon, je vais l'essuyer, après je te ferai des gros plans. Tu verras ce que ça donne. Là, je vais sécher le véhicule. Mais honnêtement, hein, ça apporte une belle brillance. Ça laisse pas de traces. Alors, au départ, comme je te dis, hein, ça laisse un peu de traces. Dès que tu passes un microfilm dessus, après c'est bien, quoi. Bon, après, en même temps, c'est pas les meilleures conditions pour travailler parce que là, encore une fois, je te le dis, mais tu t'en rends pas compte parce que là, t'es chez toi, au chaud. Et tu t'imagines pas là, ce que c'est là. Tu t'imagines pas. Bon voilà, j'ai fait uniquement la moitié. Hein. Je t'ai fait à 50-50. Donc du coup, je vais te montrer la surface que j'ai faite et l'autre surface qu'on n'a pas faite. Ok? Au moins, tu verras bien. Bon, je te montre. Alors, désolé pour le vent, encore une fois. Ça, c'est la partie que j'ai traitée, que j'ai nettoyée. Et ça, c'est la partie non nettoyée. Tu vois? Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Regarde. Tu vois la crasse? Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Je te montre. Ok. Et tu vois, en plus, ça apporte une brillance. Hein. C'est, alors, il n'y a pas de trace. Honnêtement, il n'y a pas de trace. Il faut bien essuyer. Allez, je fais l'autre côté.
Bon, voilà mon fio. Elle est lavée, donc pré-lavée, hein, pré-lavage avec le vapeau. Ensuite, on attaque directement avec le gant et puis le savon. Bon, je ne l'ai pas testé avec le pH neutre parce qu'en fait, le pH neutre, il laisse des traces. Donc du coup, c'est pas top. Donc celui-ci, il ne faut pas le mélanger, tu vois. Voilà, alors évidemment, tu peux aussi le mettre dans un canne en mousse manuel. Ouais, j'ai du mal à parler, désolé, il faut trop froid. Tu t'en rends pas compte, mais il fait super froid. Voilà, attends. C'est bon, j'ai avalé. Le véhicule est franchement, il est nickel, je dis pas le contraire. Après, évidemment, ça ne vaut pas une pression de Karcher, etc. Ça, je dis pas le contraire. Mais honnêtement, ça fait quand même le taf. Il faut bien lubrifier, hein. Surtout, n'hésite pas. Tu rinces bien ton gant, tu le trempes. Et une fois qu'il est bien trempé, tu le plaques contre la carrosserie. Tu fais côté par côté d'abord, tu vois. Ou alors tu fais que le haut et après tu fais le bas. Tu prends deux éponges, c'est primordial parce qu'il faut éviter les micro-rayures. Et voilà. En plus, il a une belle brillance. Il a touché, on dirait que j'ai mis un QD dessus, tu vois. En sachant qu'en plus, ça servait à calculer. Bon, voilà mon fio. Donc, évidemment, hein, les conditions étaient un peu extrêmes. Le véhicule, franchement, honnêtement, il est propre. Alors après, évidemment, il sera pas aussi... Enfin, il sera propre, mais pas autant aux petits oignons qu'avec un lavage traditionnel, nettoyant de pression, etc. On a compris, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de pression de flotte. Hein, c'est uniquement à la force du poignet. Il y en a, ils vont aimer. Donc du coup, il y a aussi des shampoings sans eau, par exemple celui-ci de Miguayos. Mais c'est pas du tout la même application. C'est-à-dire que là, tu vas le vaporiser et tu vas directement... En fait, c'est comme un QD celui-ci, tu vois. En sachant que les QD ont des pouvoirs lubrifiants, justement, pour éviter le micro-rayé. Mais honnêtement, je suis pas serein. C'est bien pour dépoussiérer et pour laver sa voiture. Moi, je suis pas serein. Il y en a qui le font, honnêtement, moi, je suis pas serein. Donc, celui-ci, l'avantage, c'est que, ben, voilà, il se mélange avec de la flotte. Donc, du coup, tu as la lubrification de l'eau. En plus, tu vas vaporiser juste avant. Donc, voilà, tu as l'eau claire, tu as l'eau avec le shampoing. Il y a beaucoup moins de risques. Donc, la voiture n'a pas été micro-rayée. Il y a une belle brillance. En fait, c'est comme si j'avais mis un QD. Honnêtement, un peu bluffé. Par contre, passage de roue, bon, voilà, tu vas avec la brosse et tout. Mais voilà, il y a des endroits où, concrètement, ça sera moins aux petits oignons. Mais pour celui qui ne peut pas faire autrement, concrètement, ça fait largement le job. Voilà, pour un véhicule qui est moyennement sale. Si vraiment ton véhicule, il est blindé de terre, etc. C'est mort. Je sais. Voilà. Elle n'était pas micro, mais elle l'est maintenant. Donc, du coup, ouais, si admettons ta voiture, t'as fait un safari avec, c'est mort. Il te faut de la pression, tu vois. Mais là, concrètement, sachant qu'il y avait du sel dessus, tu vois. Voilà. Donc, du coup, concrètement, il est vraiment pas mal. Mais je peux pas le mettre au même niveau qu'un véritable shampoing avec de l'eau, etc. Tu vois. Voilà. C'est entre un shampoing et un QD. Mais ça peut faire le taf. Honnêtement, ça peut faire le taf. Encore une fois, c'est très bien pour ça, ceux qui peuvent pas. C'est un produit qui, ça fait longtemps qu'il existe, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, du coup, voilà. Pousse le mot de passe, tu t'abonnes si Naïa embrouille, en sachant que la prochaine vidéo, ça va être aux petits oignons. Tu vas être content. Ok, mon fio. On remercie bien sûr David, la concessionnaire Télécar Premium Bertrand de Luxembourg, pour le prêt du véhicule. Et puis, pour. Il a pas. T'as pas beaucoup de la caméra aujourd'hui, toi. Allez, à plus. Ciao.